C'est l'heure. Merde, c'est l'heure. Bah du coup j'ai commencé sans toi. Oui j'ai vu ça, on va laisser moi une petite place. Urasawa Sensei, qui êtes au Japon, que votre plume soit bien taillée, que vos bonnes idées viennent chez Grégoire. Que votre dessin se bonifie. Pas comme Alex. Amen. Le nouveau Millibat. Bat, manga de Urasawa Sensei, pas. Non, tu t'arrêtes tout de suite là. Tu peux pas faire un truc sur Billy Bat. Non, mais c'est quoi Urasawa pour nous? C'est comme ça, nous on est trop nuls. Bah, je fais sur quoi là? Je sais rien. Tu descends d'un degré dans le Urasawa par exemple, tu fais plutôt. Plutôt c'est bien. D'accord. Mais il nous manque une blague de début d'émission. Tu veux que je dise quoi, moi, sur plutôt le problème, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule histoire. On a plein, toutes reliées. Je sais pas. Tu peux commencer par dire que c'est un manga qui parle de robots. Et que... Non mais c'est bon. C'est mon boulot de résumer les mangas. Ouais, enfin bon. C'est ton boulot aussi d'écrire de bonnes histoires. Je lis d'autres mangas pour m'en inspirer. Je sais pas, parle des grandes lignes, voilà. Parle des grandes lignes. À la base, il y a Gezich, un inspecteur d'Europol. Rapidement, on se rend compte que c'est un robot. Ouais, grâce à une planche méga classe d'ailleurs. Et bon, la grande ligne, c'est que les robots les plus puissants sur Terre se font exploser tous les uns après les autres. Et le premier étant un certain Blanc. Attends, avant que je dise ça, faut que je dise que c'est pas une création originale. À la base, c'était un manga de Osamu Tezuka. Le maître du manga, the auteur, tu vois, celui que tout le monde connaît. Il a écrit La vie de Bouddha, ou il a écrit Le Roi Léo, qui s'est fait pomper par Disney d'ailleurs, ça a donné Le Roi Lion. Oui, bon bah c'est bon, sors pas ta culture, moi aussi j'en ai. Hein. D'ailleurs t'as pas dit que plutôt c'était inspiré de Astro Boy, le robot le plus puissant du monde, écrit par Tezuka. Ouais, parce que moi j'évite de dire des évidences qui sont écrites sur la première de couverture. En gros, il va mener l'enquête sur ses meurtres. C'est marrant parce que généralement sur les quatrièmes de couverture, je trouve qu'ils en rajoutent des caisses. Mais là, quand ils mettent un thriller palpitant, j'ai envie de mettre pouce vert. En parlant de ça, tout ça dans un monde où les machines et les humains cohabitent parfois difficilement, étant donné qu'il y a un genre de FN anti-robot. Et comme tout mon personnage principal qui se respecte, Gezicht a un passé houleux qu'on découvre petit à petit. Mais bon, en même temps, ils ont fait la guerre, les gars. Hein. Enfin, c'est des robots, c'est pareil. C'est vrai, il y a un côté vétéran de guerre traumatisé. Hein. Bon, voilà, je pense que j'ai le principal. Et toi, prêt ta critique? Bah ouais, c'est prêt. Urasawa, il a tout mâché le travail avant moi, alors t'imagines bien, j'ai rien à préparer. Je le savais, en fait t'as rien foutu quoi. Non mais c'est pas ça, je manque de mots, c'est tout, c'est pas facile. Déjà je vais pas parler du dessin, il est magnifique, c'est un style unique, très seinen. Mais bon, faut quand même s'y habituer au début. On s'y habitue vite. Là où Urasawa est très fort, c'est pour passer des émotions. Alors quand l'histoire c'est sur des robots, vous imaginez bien le paradoxe. Ou le génie. Ou la folie.
Encore avec Gesicht, c'est facile de passer des émotions, parce qu'il a une tête d'humain. Mais quand c'est un robot qui a des émotions et qui a une tête de robot, eh ben c'est beaucoup plus dur. Pourtant, Urasawa le fait magnifiquement. Magnifiquement. Qu'y a-t-il ? Vous êtes bien l'épouse de Monsieur Roby ? Oui. J'ai une triste nouvelle à vous apprendre. Prendrez-vous du thé ? Et l'auteur vous achève sans pitié, sans une once d'hésitation, 2 pages plus tard. Voulez-vous que j'efface une partie des données ? Je ne veux pas perdre le souvenir des moments passés avec lui. Mais au final, la vraie question du manga, c'est est-ce qu'un robot aussi sophistiqué peut être l'égal de l'homme ? Et dans tout ça, Astro donne tout le côté humain au robot. Il est représenté comme un vrai petit garçon de 8 ans. Pompé sur Pinocchio. Ta gueule. Mis à part ça, l'histoire est sombre et super triste. Les personnages en chient et ça se voit. Et puis ça se ressent, quoi, dans mes tripes. Non, du coup, faut qu'on fasse un break, là, j'en peux plus. Alors, ça va mieux, là ? Non, mais y'a pas assez de joie. Rolling down the hill without a broken wheel, thinking now it's time to have some fun. My friend was pissing me, thrusting his cock in me, surprised I fed on him with my own gun. We are two cowboys in the forest, and we are fucking in the tree. My ass is on fire, I'm walking like a duck. My friend is very dead. Ça fait chier quand même, hein. Bah là, tu vois, là, ça va mieux, là. Ça va mieux. Oui, enfin, il y a des tentacules quand même, là. Oui, mais bon, il y a beaucoup de joie, beaucoup de joie. Bon, c'est bon, là. J'ai la pêche, on va reprendre la chronique, truc malade. Claire, j'ai trop d'idées de bons scénarios à écrire, là. Allez, hop. Un petit dernier coup d'œil. Et on reprend. Vous savez, je suis domestique dans une maison où il y a un garçon. C'est un humain, bien sûr. Ses parents avaient un chien, avant même qu'il naisse. Le chien et lui ont été élevés comme des frères. Et un jour, le chien est mort. Le garçon pleurait tous les jours, encore et encore. Maintenant, enfin, je comprends ce qu'il ressentait. Putain, y'a rien d'autre à dire qu'un bon gros putain pour ce manga. Mais bien le putain, quoi. En fait, plutôt, c'est la joie, mais dans la tristesse. Ou la tristesse dans la joie. We are two cowboys in the forest, and we are fucking in the tree. My ass is on fire, I'm walking like a duck. My friend is very dead. Thierry, Bati. Bon, je vais aller au WC, moi.